Le marché parisien accélère son rebond à la mi-séance et repasse la barre des 5 300 points. La poursuite du rebond des cours du pétrole profite logiquement aux valeurs du secteur et notamment à Technip FMC qui s'adjuge plus de 2%. Le compartiment bancaire est lui aussi bien orienté, notamment Société Générale et BNP Paribas, après le sauvetage de deux établissements italiens. Et puis Suez, de son côté, bénéficie du relèvement de la recommandation de Jefferies, qui est passé à l'achat sur le titre. Du côté des baisses, à présent, on retrouve EDF, selon des informations obtenues par Le Monde. Le projet Hinkley Point C, qui a fait couler beaucoup d'encre, pourrait accuser 1 à 3 milliards d'euros de surcoût. Et L'Oréal se distingue nettement en tête des hausses du CAC 40 sur un gain de plus de 4%. Le fonds d'investissement américain Third Point a annoncé hier avoir pris une participation d'environ 1% dans Nestlé. Et dans le même temps, ce fonds invite Nestlé à sortir de L'Oréal, dont il est le premier actionnaire, derrière la famille Bettencourt avec 23% du capital. Concurrent de Nestlé, le titre Danone progresse, lui, de près de 3% ce midi. C'est la fin de ce flash. Vous avez rendez-vous à 18h pour le point de clôture.